Hey, Ubi, c'est quand vous voulez que vous faites comme dans tous les jeux là, qui est un truc pour le vocal et un truc pour le jeu. Je sais pas. One tap. Remember it. Hello! Désolé pour le retard, je suis inexcusable. Yo! Vous avez le droit de choisir votre nom d'équipe du coup. Vas-y, c'est quoi votre nom d'équipe? Un truc qui vous fait kiffer? Fraise? Pour toi, Always? F-R-E-Z-Z-E. Prise! Bah trop tard, j'ai mis fraise. T'avais mis fraise, la prochaine fois t'épelleras bien. Et les autres, Orange? Vous voulez quoi comme nom d'équipe? 6-4 monologue. Va te faire en cul. Allez, let's go! Have fun, les amis. On va aller sur le Flores. Ça vous va ou pas? Let's go. Ok, petit Flores dans le blue, j'aime bien. Oh bah oui, bien sûr. L'autre, il essaie même pas de tirer derrière le truc. Attends, il est pas enfermé là-bas, l'autre. Ok, attends, mais l'autre, il a pris 50 HP sur le truc. C'est une blague? Ça, c'est un bon Flores, ok? Ça, c'est un bon Flores, ok? Il fait tout péter. Il joue les objectifs, là. Un par un, ok? Bam, droite, gauche, la caméra. C'est relou à jouer, hein. Mais ça, c'est beau, ça. Il met un headshot, mais c'est pas grave. C'est Rainbow Six. Ça proc pas. Le son est dégueulasse. Ne demandez pas pourquoi. On est d'accord que le son est flingué? Vas-y, ça ira, c'est pas grave. Il est bon le petit là. Il est en train de donner les calls. Il ping en plus. Et il va prendre l'initiative derrière parce que ses potes sont un peu des totos. Et il flash pour ses teammates. Et il va faire un kill alors qu'il est flashé. Bon, ça manque un peu de précision, mais il y a l'intelligence de jeu, ça. Ça, c'est un bon joueur, ça. Là, il devrait mettre un Flores tout de suite à gauche au lieu d'aller pré-shot là. Là, contre le mur, t'aurais dû mettre un Flores, faire des trous encore, bam. Avancer étape par étape, mur par mur. Petite ligne connue. Bon, là, on est un peu trop en mode... Oula, attention, la ligne de droite... Et ça plante en plus. J'espère qu'il y a personne dans le freezer, en revanche. Il a pas fait un kill, il a planté, il a tout fait, lui. Il vient de planter sa bombe, c'est maintenant qu'il va faire ses kills. Il sait que ça rota dans le blue, sûrement. Non, il sait pas. Oh, dommage. Ok. Combien pour le Flores? Vous avez 45 secondes pour voter. Ok. Hop là, moi j'ai fait ma note. Vous avez mis combien, vous? 7. On est d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'on vient de voir. Ça, c'est les frères, ça, dans Rainbow Six. Ça, c'est les gens qui jouent Flores, 1.5, machin. Ok, ça manque un peu de précision. Il va falloir qu'ils mettent des têtes, quoi. Ça, c'est sûr. Showcase, tiens. Showcase, on l'a pas vu, je suis sûr. Ok. 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 Putain, la vache. Eh, il a tout donné, lui. Hein. Pour une porte. Hein. Eh, c'était le duel le plus épique de l'histoire de Rainbow Six que je viens de voir, là. What? What? Non! What? What? Non! Mais non, il y a tout faux là! Comment? Ne pas jouer Jackal. Oh non, 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 non. Ah non, désolé. Là, c'est pas bon. Ça anti-rome pas. Derrière, il galère sur une porte. Les mécaniques sont pas assez sûres. On push derrière son poteau. Le mec, on le voit sur une décale dégueulasse au lieu de droner étape par étape. On avance de... Si on n'est pas bon dans Rainbow Six, on fait... Ah, le drone, il avance de 2 mètres devant nous. Devant nous. Devant nous. Et on avance. Et 2 mètres. Et devance. Et on avance. On y va tout doucement. Tout doucement. D'abord, on est efficace. Et ensuite, on rajoute de la rapidité. Si on essaie d'être rapide alors qu'on n'est pas très bon, eh ben, on va se frustrer. Ok? 45 secondes pour le noter, mais là, ça passe pas, ça. Vous avez mis 1,5. Ah non, désolé. Ah non, ça passe pas, ça. Ah non, 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 non. Il y avait tout ce qu'il fallait pas faire dans le jeu, là. Galaxy, on l'a pas vu.
Il a 5 kills. Autant aller voir quelqu'un qui est dans sa moite. Le écho. Ouais, on va aller voir le écho, ça me semble pas trop mal. Vous avez parfaitement raison. Je suis d'accord. Allons voir l'écho. C'est le pire écho du monde, ça. Mais le derrière, le petit renfort, là. Pourquoi il met un écho, là? Il est plus invisible, ton écho, frérot. Là, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de ligne. Ça n'existe pas. Personne ne peut se faxer sous la desserte Ikea. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Bouge dans tous les sens. Mets-toi dans le coin. Oui. Bon, vas-y, va dessous, c'est une douche. C'est qu'il a mis 10. Eh, je vais vous ban les gens qui mettent 10. Quoi. Écho, positionnement du drone, mauvais, les impacts, ok, mais pourquoi dans le blue à droite? À la limite, autant le faire à gauche, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le niveau, c'est pas un truc exceptionnel, autant le faire dans le corner gauche. Ça existe depuis le début du jeu, quand même, cette rotation. Genre, depuis le début, tu vois. Derrière, il met son écho drone, tu sais pas vraiment pourquoi, pour prendre une information qui est pas capitale. Ah, c'est pas ouf, 45 secondes pour voter. Non, c'est pas ouf. Vous avez voté pour 1. Vous avez mis 1. Je suis même pas allé jusque-là. Il a pris 0, moi, l'écho. Oh non, il n'y a rien de récupérable. C'est mort. Apparemment, Fortnite a lancé un nouveau mode sans construction. Peut-être qu'il aura plus de chance là-bas, mais là, on peut plus. Il y a Wears qui a fait son premier kill avec un fuse grâce à un écho qui pensait que visiblement c'était un boost de passer sous la douche. Il va être en défense, donc normalement, il devrait se réveiller. Il va banditriquer. Ah bah, le banditrix, on le verra pas là, hein. Oula, 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 oula! Pourquoi? Le C4 pour quoi en fait? Pour clear les drones. Ok, c'est pas trop mal là. Ces moves sont pas dégueulasses. Il y a un peu de stress, je pense. Allez, on va lui laisser le bénéfice du doute à Wears. On va aller le revoir. On va lui laisser le bénéfice du doute. Mais déjà, ce C4, hein, on sent qu'il va pas choper un 10 quand même. Parce que là, franchement, si j'imaginais bien sur le vocal, un bruit qui accompagnait le C4, ça aurait été un truc du genre... C4. Et derrière, ça a ouvert là. C'est un thermite, mec. Tu l'as entendu, non? Y'a pas de situational awareness, quoi. Y'a un thermite qui lui a pété au cul. Ah oui, c'est ouvert. Bruh. Oh non, t'as pas le droit. Oh non, il a pas le droit. Non. Non, y'a eu le C4. Là, il a pas le droit de perdre ce duel-là. Il vous reste 20 secondes pour voter. Pour le bandit, c'est pas mal, mais ça manque de finition. C'est dommage. Ok. Bam. Vous avez décidé de mettre 2,5, quoi. J'ai mis 4. Je suis pas un salaud. En soi, de toute façon, si je fais une compétition avec un gros cash prize, j'appellerai le 6-4 Invitational, c'est sûr. Et ils me diront, mais pourquoi? Je m'en fous, en fait. Invitational, c'est un mot générique. 6, c'est un mot générique. Le fait de mettre les deux l'un à côté de l'autre ne forme pas une marque caractérisée. On sait pas mal ce qu'il fait, là. À part la clé mort qui sert à Walou, quoi. Ok. Bon, il a fait le taf. Bon, le droning était un peu pourri un peu au début. Là, le crosshair placement n'est pas exceptionnel, mais on sent qu'il y a une volonté de s'améliorer, là. Pour que ce soit plus... chirurgical. On peut noter, je pense. Let's go. Et on a noté? J'avais mis 5-5. Je sais plus pour qui.